Salut YouTube. On reprend. On reprend, on est vendredi. Alors, on s'est arrêté la dernière fois. On avait un problème en fait pour transférer les. Dans des événements qu'on envoie du serveur vers le client, on peut envoyer des références d'entité, donc des références d'ID avec des types d'entités spécifiques, ce qui est utilisé dans les systèmes pour réagir par rapport à l'événement et être capable de récupérer l'entité par son type et compagnie, ça va pas mal. On a le nom de l'événement, grosso modo, le type d'événement, et on a aussi la possibilité de transmettre des composants pour mettre à jour justement la valeur de ces composants dans le système distant. Donc le problème qu'on a là actuellement, c'est qu'on sérialise les composants pour les envoyer dans le réseau et être capable de les reconstruire derrière quand on les récupère côté client. Le problème, c'est que vu que le build applique un mécanisme de minification du code, le but de la minification, c'est de réduire la taille du code. D'accord? Qu'on envoie dans le réseau quand on veut télécharger le script. Côté client, en fait, on a le builder qui, en termes de technologie, on utilise Parcel actuellement. Parcel est équipé d'un minifier qui va transformer le code source pour réduire la taille totale du code source. Donc, il va retirer les sauts de ligne, il va retirer les espaces. Et il va aussi factoriser un peu le code, ou en tout cas, il va renommer les fonctions. Il va renommer le nom des fonctions, le nom des constantes, le nom des classes, pour que ça prenne moins de place, en fait. Et le problème, c'est que on le fait à la fois côté client et à la fois côté serveur, et donc le nom des classes, en fait, ne se retrouve pas de chaque côté. Donc on n'arrive pas à reconstruire ce qu'on veut à la fin. Si je devais simplifier. Techniquement, ça se passe comme ça. Donc l'idée, c'était de dire, bon, bah, il va falloir qu'on fasse autrement pour définir nos classes, pour éviter que le nom se transforme. Donc j'ai réfléchi en parallèle cette semaine, là, entre lundi et aujourd'hui. Et il se trouve que Parcel utilise une technologie de minifier spécifique dans la documentation de ce que j'ai vu. Et on peut écraser la configuration du minifier, en tout cas remplacer la configuration par défaut du minifier et lui mettre des options. Et entre autres, le minifier en question, je ne me souviens plus du nom, on va le revoir tout à l'heure. Le minifier qui est utilisé par Parcel a une option qui permet de dire je ne veux pas minifier le nom des classes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver avec le même nombre de classes que moi j'ai fait. Dans le code, hein, si je prends un nom de composant, par exemple, on a une classe Lifecycle. Donc moi, j'aimerais bien conserver le nom de cette classe. Et donc ça, normalement, on devrait s'y retrouver comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est clair pour moi. Donc je pense que ça va être la piste qu'on va creuser. Ça va être la piste qu'on va creuser là pour ce matin, donc ça veut dire que ça je peux le laisser tel quel. Le truc qu'on avait vu, c'est qu'on pouvait pas trop. Ça, j'avais vu, il y avait un truc qui allait pas là-dessus. On avait un moment. Ouais, voilà, il y avait le before et after. Et là, en fait. Vu que le trop. Pardon, vu que le trop ne marche pas ici. Normalement, ça devrait plus. Ça devrait. On devrait plus avoir de problème. Je baisse un peu le son de la musique là. Enfin, vous l'entendez pas, mais. Parce
que j'ai vu la semaine dernière. Putain, je vous ai mis de la musique. Je vous ai mis vite fait de la musique, quoi. C'était une playlist sur de la musique qui était contre le racisme. Et putain, je me suis fait strike par Twitch. J'ai des portions de la vidéo, j'ai vu où ils ont retiré le son. Et le pire, c'est sur la musique sur laquelle il y a la DMCA qui s'est appliquée, c'est sur du trio, quoi. Trio qui est un peu, Peace and Love, quoi. Donc on peut être Peace and Love et être énervé sur le droit des auteurs. Secours. C'est vrai que Trio ne gagne pas assez d'argent. C'est vraiment dommage. Alors par contre, sur tous les autres, il y en a eu plein, il y en a eu plein des musiques connues pour tous les autres, aucun problème. Et je crois que c'est sur du trio qu'on s'est fait strike. Après, bon. Je respecte la position. Ok. Alors, on va charger la doc de Parcelles. On est sur comment dire, des aspects de configuration qui sont un peu spécifiques. Ah oui, c'est ça, Zizou, hein. Salut, d'ailleurs. Salut, Zizou. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est le label la maison de disque, le producteur, ou je sais plus quoi, enfin je sais plus. Mais oui, je pense que c'est eux, quoi. Ou c'est la SACEM directement, tu vois. C'est la SACEM. Les mecs, ils ont réglé la cotisation à la SACEM et ça y est, quoi, elle est énervée. Mais enfin, en fait, je m'attendais pas à avoir ce genre de strike sur du trio, si tu veux. Tu vois, à la limite, un petit Johnny, un petit Claude François, tu vois, un truc des familles, ou un truc hyper. Hyper. Comment dire énervé sur l'aspect un peu capitalisme et compagnie, sur les droits, tu vois. J'ai du mal à voir et de voir que c'est sur du trio que ça arrive, ça surprend, si tu veux. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Maintenant je sais, quoi. Le seul truc, c'est que de toute façon, la musique, quand tu fais de la VOD ou quand tu streams, la musique, c'est un enfer. Donc, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois là-dessus, mais ce qui serait con, c'est que t'es obligé de mute la vidéo quand t'as des problèmes. C'est ça qui m'emmerde le plus. C'est pas l'aspect monétisation ou je sais pas quoi. Ça, j'avais déjà dit, je m'en bats les reins. Mais si en plus ça coupe le son quand je parle, parce qu'il y a de la musique de fond en plus qui est vachement basse, ça le fait pas. C'est pas ouf, quoi. Sinon, c'est difficile à suivre. Allez, bon, c'est pas ça qui va nous faire fonctionner de biniou. Donc, ce que j'ai vu, ah, par contre, je sais plus où je l'ai trouvé. Alors voilà. Donc, d'après la doc. Parcelles utilise Terser pour minifier JavaScript et donc il nous indique que si on veut, on peut configurer ces outils en utilisant un point Terser RC. Et donc regarder la documentation JavaScript, CSS, HTML et compagnie. Donc, en tout cas pour le JavaScript, c'est du Terser qui est derrière. Donc au niveau de la config. Custom plugin. En mode production, Parcelles minifie le code pour réduire la taille des fichiers, etc. Par défaut, Terser
Parcell utilise Terser pour faire la minification. On peut configurer Terser si je veux. Donc, je crée un point Terser RC file dans le projet et on s'appuie sur la documentation Terser si on veut, si on veut voir les options disponibles. Donc, on tente le coup, hein. On tente le coup. Terser RC. Et donc la doc de Terser. La doc de Terser. Moi j'avais déjà fait un petit tour dessus, hein, justement. J'avais anticipé le truc. J'ai pas trop gratté, hein, mais je me suis dit, attends, s'ils utilisent une techno de minifier, et je sais que Parcel est un espèce de framework de bundler qui ne réinvente rien, ça s'appuie sur des éléments qui existent déjà. Voilà. Il y en a d'autres qui font pas ça, mais lui, il fait ça. Et entre autres, il s'appuie sur Webpack et donc Terser pour la minification et compagnie. Donc je me dis, forcément, ils ont dû documenter un truc ou il y a quelqu'un qui a dû poser la question. Je dois pas être le seul à conserver les classes. Et donc voilà, on a cette option-là, qui est de type keep class name. Et je peux même faire un keep function name, par exemple. Mais les fonctions, je pense que j'en ai pas besoin. Moi, c'est surtout par rapport aux classes que j'ai besoin, parce que vu que j'ai des repositories de classes et que je dois les reconstruire derrière, les classes qui sont mes data structures, il en faut quoi. Et pourquoi j'ai fait des classes sur les composants? Parce qu'au niveau des composants, en général, j'ai même dans le composant générique, j'ai toujours un petit ensemble de fonctions. J'aurais pu peut-être fonctionner que par interface. Pour dire vraiment, c'est de la data structure pure. Mais je m'autorise à faire des classes pour pouvoir faire des petites fonctions de helper, on va dire, mais qui sont dédiées à un composant donné. C'est pour ça que je l'ai fait. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Et donc voilà, comment ça se passe ce fichier de config? Donc grosso modo, on dit tout ce qu'on veut, et là je peux faire un keep class name à false. Et donc je peux le passer à true, justement. Donc. Ce que je me dis, c'est si je fais ça, c'est je fais ça. J'ouvre le JSON. Je le pose à tout. Si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais un build de parcelle. Et que je lance. Donc normalement là je fais un game HTML. Et là message data, composant name, ça l'a pas fait. J'ai l'impression. Non, c'est pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il a pas pris le. Il a pas pris ce que je lui ai demandé. Ah, on va regarder. À moins que il faut que je flingue. Si, non, j'ai fait un build et mon build il flingue le dossier, je crois. Je fais un build de parcelle, je fais un npm run clean build, et le clean build, je fais un rimraf de dist. Donc le rimraf c'est un petit package utilitaire au niveau de Node qui permet de flinguer un dossier, en fait, de retirer le contenu d'un dossier. Normalement, je repars à zéro derrière. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'aurais mal fait? Ça, c'est la doc. Pour configurer Terser, on peut créer dans le root directory.
Salut Mercure, ES Build, je ne crois pas. Attends, je regarde vite fait. Ah, c'est un outil de build. Je ne crois pas avoir regardé. Je crois pas avoir regardé, mais c'est pareil. Si, peut-être qu'à un moment, on changera le builder. Parce que moi, par exemple, il y avait. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme builder? Bah là, on utilise Parcel. J'avais déjà utilisé Rollup dans le cadre de Bangerang. Bangerang utilise Rollup pour build Svelte, en fait. Le code Svelte avec le code client aussi. Et j'avais vu qu'il y avait Vite aussi. Ils l'ont bien nommé. Il y a Vite qui existe. VJS, qui, à ce qui paraît, envoie du steak aussi pour faire du build. Après, j'ai pas testé Vite. D'accord, Vite est basé sur ES. ES Build, d'accord. Bah, il faudrait que je creuse à un moment, mais vu que là, je vois qu'avec Parcel, ça fonctionne bien et qu'en fait. Le builder, je trouve que j'ai mis trop de gaz là-dedans. Ça fait 3-4 jours là, que je suis au niveau du build. Et on est en train d'en sortir. Et je me vois mal changer tout de suite. Parce qu'en plus, la durée du build est pas énorme, on va dire. Ça se fait assez vite. Hein. Ça se fait assez vite. Donc pour le moment, je vais rester là-dessus, sur Parcel. Mais par contre, oui, un de ces quatre. Je serais tenté de faire un essai de ne plus utiliser Parcel et de partir sur Vite ou ES Build directement. Je sais pas. Parce que j'ai un peu galéré sur les options, hein, je dois t'avouer. Bah franchement, non, puis moi en plus je suis pas trop front à la base, donc des builders, en fait, j'ai pas eu trop l'habitude d'en utiliser. Et vu que mon projet utilise pas mal les systèmes de classe, puisque je fais des repositories de classe pour pouvoir les reconstruire, machin, et en fait, il y a certains aspects de l'application qui fait que le building est un peu complexe. Et en plus, j'utilise des tests automatisés. Donc, le fait de partir en plus sur de l'ES, enfin de partir sur de l'ESM ou des choses comme ça. Enfin, j'ai eu des emmerdes. J'ai eu des emmerdes. Et là, je vois que j'arrive à sortir la tête de l'eau de cet aspect-là. Et je t'avoue que c'est pas la partie que je kiffe le plus. L'aspect building, moi, j'essaie de. De toute façon, dans tout ce qui est intégration, en ce qui me concerne, hein, ça a toujours été mon point de vue ces dernières années. L'intégration, je fais le minimum pour que ça marche, et après c'est bon. Et après, c'est au niveau des retours, des indicateurs, les KPI techniques, on va dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, le taux de requête qui a foiré, le fait que c'est pas opti. Le fait que ça peut durer des plombes, etc., etc. En fait, ça, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, au début, je veux juste faire en sorte que ça marche. Et après, c'est le feedback du projet qui me dit il faut remettre un peu de gaz dans telle ou telle intégration technique, on va dire, pour améliorer les choses. Mais de base, j'ai très vite. Dès que j'ai l'intégration qui fonctionne, je ne veux plus trop y toucher pour continuer à rajouter de la valeur dans le code métier, en fait. C'est un peu mon état d'esprit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'il faut un juste milieu, mais c'est-à-dire faut pas faire un truc qui marche pas du tout, si tu veux. Pour être con. Mais j'ai pas envie de cramer 40 ans pour, par exemple, pour faire le SSE, c'est bon, là, pour le moment, je vois que ça fonctionne. Le jour où les gens vont me dire qu'il faut que je commence à mettre une mécanique de retry sur le SSE, bah ok, je mettrai du gaz dedans, mais pour le moment, je vois que ça marche. Je vais pas en mettre plus que ça, pour le moment. Parce que sinon, on s'en sort jamais, quoi. Quand tu vois qu'il y a des mecs. Oui, voilà, je suis pas parti sur Webpack. Alors, Webpack, j'ai pas du tout eu envie de partir dedans parce que j'ai eu une ou deux expériences Webpack sur tu sais, des petits projets que tu fais pour apprendre à maîtriser Angular et React, par exemple. J'avais fait ça vite, tu sais, des espèces de tutos, mais tu le fais des mini-projets, quoi, tu sais, les mini-projets to-do list, El Famoso,
que tu le fais chez toi. Moi, j'avais fait ça, je sais plus, en 2015. J'ai roté du sang, quoi. J'ai roté du sang, j'en pouvais plus. En plus, les technos n'étaient pas trop matures. Là, Webpack, j'imagine que va mieux qu'au jeu, qu'il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, c'était un enfer, quoi. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Quand j'ai fait Bangerang à l'époque, j'ai pas voulu mettre en place Webpack. J'ai voulu mettre en place autre chose, et j'avais vu qu'avec Parcel, ça marche. Avec Rollup, ça marchait plutôt pas mal. Il y avait des mauvais aspects. Hein. Il y avait des choses qui n'allaient pas bien sur le build. Il y avait des trucs pas top, mais ça faisait le café, quoi. Ça faisait le café. Et c'est là que tu as le métier d'intégrateur. C'est là où je trouve. C'est là où tu as une très forte valeur sur quelqu'un qui est très fort en intégration. Intégration au sens large, parce que je sais que tu as le métier de l'intégration front, grosso modo. Le mec qui va intégrer le design du designer UI en composant ou en code ou en DOM, quoi. C'est-à-dire en déclaration DOM. Ça, c'est souvent l'intégrateur web tel qu'on l'entend assez basiquement. Mais tu as l'intégrateur au sens large. L'intégrateur au sens large, pour moi, c'est un expert des technologies. De certaines technologies qu'il maîtrise. Et donc, il est très très bon pour dire bon, bah ok, le code métier, il est censé faire tel truc. Ok, est-ce que tu peux me mettre l'implémentation? Est-ce que tu peux me faire l'implémentation de cet appel métier, grosso modo? Et ça, pour moi, c'est le travail de l'intégrateur. C'est pour ça que je trouve que tu construis des équipes avec des mecs qui focusent le fonctionnel. Et des mecs qui focus, en tout cas, c'est les spécialités. Ça ne veut pas dire que chacun est cantonné dans ce rôle-là. Mais en tout cas, il y a des mecs qui sont très forts pour faire de la logique métier, avec les tests automatisés, tout ce que tu veux, machin. Ça te permet déjà au niveau métier d'être robuste. Et de l'autre côté, tu as des gars qui sont beaucoup plus efficaces sur l'aspect intégration, parce que c'est des mecs qui ont traîné dans la tech depuis des années. Ils maîtrisent leur panel technologique, et donc ils sont capables de faire des implèmes. Des choses que tu as abstraites, quoi. Je trouve que ça fait des belles équipes. Et comme d'hab, j'en ai pas vu beaucoup, donc des comme ça. Si ça se trouve, je me trompe, mais en tout cas, ça serait une équipe que j'aimerais bien. Si je devais rejoindre une équipe un jour, si je devais constituer une équipe, je la ferais bien dans ce sens-là. En termes d'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire tu sais très bien que tu veux pas que tout le monde soit au même niveau, c'est impossible, c'est une utopie. Ou alors le niveau serait très bas. Mais donc tu mets des mecs très forts d'un côté pour faire de la logique métier, et tu mets des mecs très bons de l'autre côté aussi pour faire de la tech. Et en fait, tu as besoin des deux. Les deux sont tout aussi importants. Voilà. Plus des mecs en DevOps, plus des responsables produits hyper bons. Si les devs ne savent pas faire du produit, bien sûr. Ça, c'est la parenthèse qu'on a tendance à oublier dans tous les projets. Si le dev ne sait pas faire du produit, parce qu'il y a beaucoup de devs qui savent très très bien gérer des produits. Et ça fait mal aux responsables produits en général. Bon, sinon, la config. Pourquoi la config, elle veut pas? Elle veut pas partir. Non, pourtant, c'est bien Keep Class Name. Alors, attends. Je vais regarder. Donc, Parcel. Terceur config. Ouais, moi c'est le cas, voilà, justement. Donc quand je fais un point terceur RC, ça me le fait pas.
Ok, donc le mec il s'est trompé. Le mec il s'est trompé. Ah. Okay. Terceur RC. C'est bon, vite. C'est bon. C'est bien. Non, de ce que je vois, ça a l'air. Ça devrait être bon cette histoire. Pourquoi il le fait pas? Ah, oui, je pense qu'il est pas valide. Je pense que j'ai oublié de faire ça. De mettre entre côtes keep class name. Peut-être que ça va jouer. Toute façon, là, il fait 1,63 le. Non, 1,49 le game. Et là, oh, il fait toujours 1,49. Donc j'ai l'impression qu'il n'est pas pris en compte. Il devrait être un peu plus grand quand même. Vu que le nom de mes classes sont parfois un peu longues. Non. Non, ça veut pas le faire, ce truc. Il y a un truc qui va pas. Oh la vache. Site de mort.
Alors. Terceur. RC. C'est un exemple hein, que je veux. Ouais, mais c'est ça que j'ai fait. Pourquoi ça marcherait? J'ai l'impression que ça marche. Alors, à moins que le. Quand ils disent qu'ils doivent être sur le. Est-ce qu'il faut que je le mette dans source? Je trouverais ça chelou. Non, ça n'a pas l'air. J'ai fait une typo sur le nom du fichier de config. Attends, il est comment mon fichier là, par exemple mon main? Ah, on les voit là les classes. On les voit là les classes. Et elles ont bien été renommées, c'est ça qui me flingue. Alors à moins que c'est le cache qui dé... C'est peut-être le cache qui fait chier. Il y a un truc. On les voit là, toutes nos variables. Alors ça, c'est les fonctions, Alors, ça se trouve, faut peut-être que je le fasse aussi sur class name. Sur function name. C'est possible. Regardez. Tiens, j'ai l'impression qu'il marche pas là le. Config. Donc c'est soit true, soit une regex. Mais je l'ai mis à true. Essayer ça. L'impression que ça change rien.
Ça a renommé. Il n'y a pas d'exemple. Allô, Configuration of Tercer. Oui, ça, c'était ce qu'ils avaient dit. SRC Transforms. Alors, attends. Oh, bah, je pensais que ça aurait été plus trivial que ça. C'est quoi cette histoire? C'est pas clair.
Ouais, non, non. Si je devais vraiment respecter un JSON, normalement, on est comme ça. Il est entièrement valide. Donc pourquoi il n'est pas pris, ce con? On peut aller vraiment énerver sur les options de compression, c'est sympa. Ah, par contre, est-ce que c'est dans les options de compression? Parce que dans les options de compression, on a aussi la partie class name.
Salut Animapix. J'arrivais pas à lire ton nom. Il était en bleu foncé. Je dois être le seul débile qui veut conserver le nom des classes, quoi. C'est un truc de fou. Ah, par contre, il fait un module export. C'est vraiment pas clair. Oh là là. Il y a un Discord pour parcelle ou pas?
C'est un truc de fou. Je fais exactement ce qu'il demande. Et ça veut pas. Faut peut-être que je fasse un mangle. Ah bah. On va voir ça. Ok, donc il a bien dit. Ok, j'ai vu que j'ai fait un mauvais JSON. On voit bien qu'il l'utilise, donc ça doit être un manque d'options. Ça n'a pas l'air très clair au niveau des options. Hein. Il m'a encore transformé le nom des. Ouais, ça, normalement, ça c'est ma classe. C'est mon EventBus, ça. Ça, c'est ma classe EventBus. Elle devrait s'appeler EventBus. Au lieu de s'appeler avec un ID chiant. Pourquoi il m'applique des ID, ce connard? Je vais boire mon café un peu. Sérieux? Keep class names, normalement, ça empêche. Putain, ou alors c'est moi qui sais pas traduire ou quoi? Au secours. La suppression et la modification des noms de classe. Bah oui, c'est ça. Bah, on va peut-être partir là-dedans. Hein. Ça fait chier. Ça fait chier. C'est con parce que ça marche super bien, ça. Marcher avec le prototype et tout, là. Marchait bien, ce truc.
Oh bah c'est pas grave, moi je vais essayer de. Je vais ouvrir une issue, c'est pas normal. Si je fais ça, normalement, sa gueule, il va me dire que. Voilà, il me dit qu'il y a un problème de JSON dans le optimizer Terser. Ça, c'est pas mal.
Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Il faut que je mette la config, le config RC dedans. C'est quoi? T'es où? T'es où? Merde. Merde. C'est du JSON. Niveau preview. Ok. Alors, quand je fais mon build, qu'est-ce que j'ai moi comme option? Qu'est-ce que j'ai comme option? Les options, au secours. Ça, je vais me le mettre sur le côté. Les options au niveau front. Ah, j'ai un optimize à false. J'ai un optimize à false au niveau de terce. Attends. Est-ce que...
Est-ce que game. Si je fais un contrôle F de even bus. Ah. J'ai encore j'ai encore mes classes avec des ID chelous. Grosso modo, aujourd'hui j'ai ça. Simplifier un peu tout là, je vire le constructeur avec le logger. Le
Le logger, ça dégage. C'est pas nécessaire. Je me souviens plus, Named. Ça donne quoi ça comme preview? Ça, c'est pas mal.
Il n'y a pas de raison, le contexte, non. Alors, parcelle, on est en quelle version de parcelle? On est en 2.0.0. Node, on est en V14 15.4. NPM, on est en 7 12.1. Bon, ça m'a l'air pas mal, ça. Allez. Comme ça, ils vont me dire si j'ai bien fait les choses. Ça se trouve, c'est les options du terceur qui sont pas... que je ne comprends pas, et donc on n'est pas bon dans la config. Mais j'ai vraiment l'impression que les options de terceur ne sont pas prises en compte. C'est vraiment chelou, quoi. C'est vraiment chelou. Donc, on va voir ça. Normalement, de ce que j'ai compris, le keep class name, ça, si je le passe à true, ça désactive le mangle. Je reprends la doc de terceur. Si je... Voilà, ça évite de supprimer les classes qui ne sont pas utilisées. Ça, je suis d'accord. Et ça désactive le mangle. Donc le mangle, normalement... je reprends... C'est le renommage, hein, si je dis pas de bêtises. La modification des noms de classe. Voilà, le mangle, c'est ça. Modification des class name. Donc, soit c'est pas suffisant, soit les classes sont renommées avant tout ça. Et donc, c'est peut-être au niveau de parcelle que. C'est peut-être dans parcelle où il y a déjà du renommage des classes. Et ça, c'est pas top. Pour un outil de build où on lui demande justement qu'on puisse conserver les noms de classes si on en a besoin. Parce que j'imagine même pour de la production où t'as plein d'utilisateurs, tu veux débugger, tu veux faire du log, peu importe. Dans le monde TypeScript et compagnie, on prend de plus en plus l'habitude de créer des classes et compagnie. Donc pour moi, je trouverais ça problématique que tu ne puisses pas avoir le nom de la classe d'origine. Parce que là, moi, quand j'ai mon application qui tourne, moi, sur mes messages, sur mes messages et tout ça, je veux, là, par exemple, ici, là,
dans ma liste de composants, si mes composants, je les ai faits sous forme de classe, je veux avoir le nom de la classe. Là, avec cet ID-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire avec le nom de la classe. Alors que si j'ai le nom de la classe, si ça me dit que là, ça, c'est un physical, normalement, c'est censé afficher physical, en fait, ici, dans le component class name. Donc si c'est physical, moi, d'un point de vue métier, en tant qu'expert de mon appli, je peux débugger, je peux comprendre où est-ce qu'on va. Quand il y a le component builder qui me dit cette classe-là n'est pas la même que cette classe-là, bah oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc c'est pour ça. Donc on va voir. On va voir, le truc il a été posé. Bon, par contre, justement, ça me saoule. Je vais attendre. Je pense que je vais stopper pour aujourd'hui. Je vais pas continuer à gratter ça. Je vais attendre leur retour. Quitte à reprendre le stream après, si au final ça repart. Et qu'on m'a fourni une solution ou qu'on me dit c'est pas possible. Parce que j'ai pas envie de creuser l'alternative tout de suite. J'ai une alternative, mais ça va me prendre plus de temps. Et j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus, ça va me saouler. On est encore sur les problématiques de build. Donc les problématiques de build, ça fait 2 ou 3 semaines que. Et 4 ou 5 sessions que je me bouffe les dents dessus. Donc ça commence à saouler. Et donc on va attendre le retour des mecs qui gèrent le repo, quoi. Parce que l'alternative, grosso modo, c'est de ne plus récupérer les classes au travers de leur class name prototype, en fait, prototype name, mais de mettre une valeur dans l'interface des classes, des composants, les composants, les entités, etc., etc., c'est de mettre... en tout cas pour remplacer le nom de la classe, de rajouter une propriété de type class name ou un truc comme ça en fait. Et donc ça veut dire qu'il faut que je modifie tout le code. Parce que je vais vous montrer quand même, que vous puissiez voir un peu l'étendue des dégâts. Si je fais par exemple... il faut que j'en trouve un. Faut que je trouve... Tiens bah si, dans mes tests... Dans mes tests, normalement, je les utilise. Ah, par exemple, là, lifecycle, je ne pourrais plus faire ça, en fait. Je ne dois plus utiliser le... Parce que là, en fait, je peux faire un new quelque chose, mais quand je fais un retrieve... ou dans mes... Tiens, dans mes systèmes, ça va être un peu plus parlant. Dans les systèmes, ça va être pas mal utilisé, normalement. Là, voilà, par exemple, un retrieve... Un retrieve entity component by entity ID, je fournis l'entity ID et je fournis le composant que je veux. D'accord? Donc ça, physical, ça ne marchera plus. Ce truc-là. Enfin, surtout quand je vais transférer du client vers le serveur, en fait. Quand je vais transférer du client vers le serveur, ça va être un enfer. Donc non, il me faut autre chose. Il me faut autre chose. Donc voilà, donc l'idée c'est de ne plus mettre physical comme ça, mais c'est de mettre. Je vais faire une enum, grosso modo. Je vais faire une enum avec tous les types de composants, etc. à la place. Mais je veux pas faire ça tout de suite. Je veux pas faire ça tout de suite parce que ça, il faudra que je change tout. Il va falloir que je change tout dans les tests. Il va falloir que je change tout dans les composants, les systèmes. Et aussi au niveau de mes sélecteurs de composants pour reconstituer le composant au niveau de mon receveur d'événements côté front et côté back, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est clair, de mon côté. Donc voilà, il y a ces trucs-là à gérer. On attend un petit peu le retour de la commu, et puis je reprendrai dans la foulée. Si j'ai un retour aujourd'hui, je reprendrai le stream. Si j'ai un retour avant la fin de la journée, je reprendrai, mais en attendant, je vais laisser de côté. Et j'ai pas envie de faire d'autres choses parce que c'est justement j'ai besoin que tout ça fonctionne pour pouvoir identifier les trous dans la raquette dans la business logic, grosso modo.
Donc voilà. Allez, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Bah ouais, bonne journée, Zizou. C'est pas grave. Au final, je me ferai un week-end prolongé pour changer. Ça fait longtemps. Allez, des bisous YouTube. Ciao.